Les intelligences artificielles et les machines engendrent des craintes massives des Français pour leur emploi. Aux États-Unis, 38% des emplois pourraient potentiellement être à risque élevé d'automatisation au début des années 2030, plus qu'au Royaume-Uni, en Allemagne, au Japon et moins de 10% pour la France, ce qui représente tout de même 1,49 million d'emplois. Mais quels sont-ils ? Principalement les métiers manuels et peu qualifiés tels que les caissiers, les agents d'entretien et les ouvriers de manutention. L'automatisation perturbe évidemment beaucoup d'emplois, mais elle en crée aussi de nouveaux qui ne pouvaient pas exister avant l'émergence des robots. Les entreprises auront besoin de plus de techniciens et de spécialistes pour gérer ces machines. L'expérience et l'expertise humaine seront toujours nécessaires pour aborder les domaines où les robots sont limités. Déjà 950 000 personnes étaient employées comme spécialistes des technologies en 2015 en France. Mais on pourrait se demander si l'intelligence artificielle reste utile et efficace dès lors qu'un métier nécessite des relations humaines, de l'imprévu et d'autres caractéristiques fondamentales de l'être humain, telles que comprendre les émotions.